Pierre, retraité actif de Tréflès, rentre dans l'unique commerce du bourg, non pas pour prendre un café, mais pour ouvrir un compte bancaire. Avec une simple pièce d'identité et un téléphone portable, il va disposer dans moins de 5 minutes d'un compte de paiement, de RIB et d'une carte bancaire, voilà, sans condition de revenu, et merci. Tout cela merci pour 20 euros par an. Pour faire des économies, ça coûte moins cher qu'une banque, une carte bancaire normale, et sur les frais aussi. Frais bancaires. On peut faire des petits achats et payer avec cette carte-là sans obliger de faire un achat de 15 euros. Là, ça va me servir pour principalement mes commissions, faire les courses, les achats ici chez Patrice. Le propriétaire touche une commission sur les abonnements et les transactions effectuées dans son bar. Ce nouveau principe de compte bancaire est aussi adapté et c'est une première aux interdits bancaires. La personne qui est interdit bancaire, par exemple, si elle va chercher du travail en intérim, par exemple, ou l'intérim demande toujours un RIB, elle ne sera pas bloquée à ce niveau-là. Patrice Abgral, le tenancier du bar, dispose de l'un des trois premiers terminaux du Finistère, le distributeur de billets le plus proche étant à 6 km du bourg. Il offre ainsi un nouveau service aux habitants et espère bien attirer par ce biais des clients dans son bar. Peut-être un afflux de clients supplémentaires qui, par la même occasion, va venir et puis va peut-être m'acheter soit une revue ou un paquet de chewing-gum ou autre. D'ici la fin de l'année, Patrice Abgral entend bien ouvrir une centaine de comptes bancaires, autant de nouveaux clients qui pousseront régulièrement les portes de son établissement.